C'est les girls, on se retrouve sans chichi pour la découverte de la petite palette NYX Cosmétique Metal, un Cosmic Metal exactement, que j'ai eu sur le site NYX au moment des soldes, bien qu'elle ne soit pas soldée. Alors, elle est métallique, mais plutôt irisée. Et là, vous avez vraiment le bon rendu des couleurs. Je vous ai mis une lumière et c'est pas mal. Alors, par contre, pour les swatchs, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais vous verrez, à la fin, je vais dehors au soleil et vous verrez le rendu exact. Et ça rendra un petit peu plus justice à cette petite palette qui vaut une huitaine d'euros et qui a tout d'une grande. Alors, on y go. Je vais essayer de mettre les swatchs, ou peut-être ici, voilà, ce sera peut-être l'idéal. Alors, on commence par celui-ci, qui est un beige doré tirant sur le marron clair. Donc, voilà. Et je vais essayer de le mettre là. Je ne vois pas du tout ce que je fais. Et comme j'ai la peau un peu mate, chez moi, c'est assez difficile de faire des swatchs, même à l'intérieur du bras. Voilà, ça, c'est pas mal. Ensuite, le deuxième. Alors, je fais un effort de mettre mes doigts dans mes palettes parce que j'utilise toujours mes pinceaux. J'aime pas mettre les doigts dans les palettes. Donc, le deuxième, c'est plutôt un doré cuivré vieilli. Il y avait du soleil tout à l'heure, mais il n'y en a plus. Bon, enfin, hein, ici, c'est sans chichi, vous le savez. Donc, on fait comme on peut. Alors, la pigmentation, c'est... bon, la pigmentation de NYX, hein, on la connaît, n'est plus à démontrer. Voyez, un joli cuivré, magnifique. Là, vous avez la bonne couleur. J'essaie de ne pas traîner hein, pour faire des vidéos plus courtes. Le troisième, c'est plutôt un marronné un peu moins irisé. C'est peut-être celui qui est le moins irisé de la palette. Alors, sur le doigt... Alors, c'est pas les couleurs que j'utilise le plus, moi. Je vais surtout taper dans les plus clairs. Voilà. Ah, la couleur, c'est pas mal. Ensuite, mon préféré. Oui, mon grand préféré, c'est celui-là. C'est un orangé pâle, un peu... avec du gold à l'intérieur, il est magnifique. Franchement, je vous conseille cette petite palette pour le prix et la pigmentation. Truc de fou. Voilà. Il est très joli, très lumineux. Petit striptease. Ah, les épaules comme ça, c'est sympa, mais ça bouge. Ensuite, le marron un peu bordeaux du milieu. C'est celui qui est le moins irisé. C'est pas des couleurs que j'utilise forcément, les couleurs foncées comme ça. Mais je vais peut-être commencer à m'y mettre. Oh, la pigmentation, c'est fou, quoi. Ouais, là, la couleur est pas mal. Et le dernier, c'est un champagne. Très, très lumineux. Et plutôt tirant sur le jaune gold. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà, eh bien, je vous laisse, je vous mets une petite vidéo des fards au soleil, si je peux trouver une once de soleil. À tout de suite.
Me voilà dehors, donc j'espère que vous verrez bien, parce que moi je ne vois pas du tout ce que je filme. Voilà, les couleurs, et j'espère que la luminosité lui rendra justice. Voilà, elle est superbe pour un tout petit prix. Tchuss les filles!